Donc là, on va suivre une thérapie adaptée, hein. Donc c'est évidemment très cher, mais il y a des résultats rapides, 15 jours, 3 semaines maximum. Donc, quel est selon vous le problème majeur dans votre relation? On s'est séparés la semaine dernière. On ne pouvait plus se voir en peinture. Confinés ensemble des journées entières, ça ne pouvait mener qu'à la rupture. C'est vrai qu'au début c'est la galère. C'est pas marrant de se retrouver seul. Mais sans vouloir être trop vulgaire, j'en pouvais plus de voir ta gueule. Mais si je t'ai quitté, c'est de ta faute. Non, 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 c'est de ta faute. Bah, oui, c'est bien ce que je dis, c'est de ta faute. On se comprend plus, alors va faire ta vie avec quelqu'un d'autre. Et je lui souhaite du courage, tellement tu me fous la rage. Alors je me suis inscrite sur une application pour oublier ta tête d'imbécile. Et en swipant, stupéfaction, voilà que je tombe sur ton profil. Le tien aussi m'a étonné, je t'ai presque pas reconnu. Tu ne te serais pas photoshopé, t'as plus tes rides, ni ton gros cul. Oh, bah c'est pas le culot qui t'arrête. Toi, ta photo date d'au moins 15 ans, y'a même de cheveux sur ta tête. J'en avais jamais vu avant. Bah toi, t'as menti dans ta bio, depuis quand tu es calme et zen. Une fois je t'ai battu au Uno. Mais jamais. T'as fait la gueule pendant 3 semaines. Si tu m'avais laissé gagner, on n'en serait pas là, hein. Ce qui te manque, c'est un petit peu d'élégance. Oui, si je t'ai quitté, c'est de ta faute. Ouais, tu prends tes affaires et tu te casses. Sauf qu'on vit dans mon appart. On se comprend plus, alors va faire ta vie avec quelqu'un d'autre. Et je lui souhaite y a du courage, moi je tourne la page. Non mais écoutez-moi cette description de pervers. Salut, moi c'est Yann. Et quand je match avec une demoiselle, je la fais grimper au 7e ciel. Bah faut croire que moi j'ai pas eu de bol, j'ai jamais décollé du sol. Elle écrit j'aime la course à pied et surfer dans les Landes. Avec son cardio éclaté, elle a failli se noyer à Aqualand. Et le pire c'est que t'es comme tous les gens chiants qu'on aime toujours un peu. Après les disputes on se rappellera du temps où je t'ai rendu heureux. Égocentrique, mais comment j'ai pu aimer cette folle. Et maintenant j'ai la flemme de chercher. Je le déteste mais il m'amuse ce qu'il gnole. On sait ce qu'on perd mais pas ce qu'on va retrouver. Alors même si je t'ai quitté, c'est de ta faute. Bon ça va, c'est ma faute, ok. Non, c'est moi. Oui, c'est vrai. Je sais que je ne ferai pas ma vie avec quelqu'un d'autre. Et pour que tu ne sois pas déçu, je ferai des efforts. Enfin, au début. Non, écoute, tu le prends le premier week-end de juillet et moi je le récupère les 3 dernières semaines. Non, 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 tu viens le chercher le dernier week-end d'août et c'est suffisant comme ça. Alors, peut-être vous pourriez demander son avis. Quoi? Mais à l'enfant. Dans l'histoire, il a son mot à dire. Mais non, on parle pas de l'enfant, on parle de Boudy. Et on s'était mis d'accord, hein. Si on se quitte, je garde Boudy et elle garde l'enfant. Non, 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 non. Tu gardes Théo, juillet et août. Qui? Mais Théo, notre enfant. Ah oui, c'est vrai, on l'a appelé comme ça. Mais attendez, il est où cet enfant là? Mais il est dans la voiture en bas. La voiture? Dans la Twingo? Il a quel âge? Oui, il a un an! Tout juste un an! Non, mais il parle de petit là. Ah! Il a 2 ans? Bon, je sais pas, en tout cas, tu gardes l'enfant et je garde Boudy. Non, tu me laisses Boudy! Moi, tu Boudy! Laisses Boudy. Mon Boudy!